Salut à tous, c'est Macronor Minou, on se retrouve sur le TCGO pour un 9ème épisode. Alors tout d'abord, je m'excuse un petit peu, ma voix elle va être un petit peu grave, puisque j'ai la gorge un petit peu prise. Je suis malade, voilà, temps de chiottes égale santé de chiottes. Et on va faire aujourd'hui, alors j'ai regardé un petit peu mes decks pour faire un épisode, et j'avais pas envie de jouer mes decks, mais vraiment pas envie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai été m'acheter un nouveau deck. J'avais envie de vous proposer de faire des tournois. Je fais des fois des tournois voilà, en solo, mais j'ai jamais fait de tournoi en vidéo. Et je me suis dit de faire un. J'allais faire un petit tournoi. Et vu que les decks que j'ai fait ne me donnaient pas envie aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie. Je me suis dit qu'on allait faire un tournoi avec un deck à thème. Et pour changer un petit peu, je me suis dit pourquoi pas utiliser un deck à thème de Offensive Vapeur. Donc à côté de chez moi, voilà, il y a un magasin, j'ai regardé, ils avaient deux decks. Alors j'aurais très bien pu l'acheter dans le jeu évidemment, mais j'avais envie d'avoir des cartes. Vu que je peux pas, j'ai pas acheté beaucoup de boosters offensive vapeur encore, je me suis dit que c'était un début, voilà. D'habitude j'achète pas de deck, j'achète que des boosters pour mes collections. Mais voilà, ça me met un pied dedans. J'ai donc pris le deck qui s'appelle Rouage de Feu avec Volcanion. Il y avait avec Oupa. En forme déchaînée, mais voilà, ou pas, je suis pas fan. Même si la carte avait l'air badass, ou pas, je bloque. Et surtout en forme déchaînée. Il a vraiment une tête de con. Donc, Volcanion me paraissait pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré mon petit code afin d'avoir le deck. Je pensais pas que de toute façon un deck vous intéresserait. Vous, je pense que c'est plutôt les boosters pour avoir des bonnes cartes. Voilà, les decks de base, c'est vraiment pas des cartes géniales. Donc, on va aller chercher le deck. Il est dans ma collection. Au passage, vous allez voir que j'ai quelques petits boosters qu'on fera peut-être en fin d'épisode. Donc c'est mon deck Rouage de Feu, voilà la base. On a le petit jeton qui est très joli en vrai. C'est un deck de type feu acier. Voilà, donc acier, voilà, c'est pas épique en acier, hein. Il y a juste des petits clics là, les, comment ils appellent ça? Clic, tic, clic, voilà, je me trompe toujours. Volcanion, c'est principalement ça qui va nous intéresser, c'est Volcanion et les Nemelios. Sachant que dans les decks... Alors j'espère qu'on va pouvoir le jouer en fait. Parce que j'ai pas essayé. On va regarder ça tout de suite. On va aller dans les tournois. Au passage j'ai vu que tournoi ça avait changé. Ça s'appelle plus tournoi, ça s'appelle événement. Bon. On va regarder vite fait si je vais dans les thèmes. Donc on a les tournois, vu qu'on n'a jamais fait, je vais vous présenter un petit peu les tournois. On a les tournois... voilà, là c'est un peu en anglais. Le jeu des fois il déconne, il y a des petits trucs en anglais. C'est dommage parce que ça gâche un peu la beauté du jeu. Donc là c'est pour les decks de type étendu, vous savez quand on crée les decks on peut faire un deck étendu, les decks standards, les decks à thème c'est principalement les decks du début, pour pas dire que les decks déjà tout faits, donc un peu plus faibles, avec de moins bonnes cartes, pas d'EX, pas de... voilà. Et les legacy c'est les héritages, voilà. Je vais faire ce petit deck, il est pas cher, ce petit tournoi, les autres tournois là sont plus chers, mais les récompenses sont beaucoup plus intéressantes. Ils sont juste beaucoup plus durs. Voilà, le premier, il se gave quand même avec une paire de boosters, quoi. Surtout, je crois que c'est ici. Voilà. Le premier, il se gave de 6 boosters. C'est quand même épique. Puis même les derniers, on se tape quand même des boosters. Ah non, pas les derniers. Mais bon, c'est assez facile de faire 3ème, 4ème. J'ai fait pas mal de tournois, là. Vous pouvez voir l'historique. J'ai fait pas mal de tournois. Généralement, j'en ai pas souvent gagné. Parce que voilà, les mecs sont vraiment des mecs costauds, quoi. L'avantage, c'est que avec les decks à thème, on a tous plus ou moins nos mêmes chances. Enfin, voilà. On joue avec les mêmes armes. Le truc, c'est à savoir qui va avoir l'avantage du type, qui va avoir la chance dans la pioche. Généralement, c'est pas moi, je vous le dis tout de suite. On va rejoindre et voir ce qu'on peut prendre comme deck. Est-ce qu'on peut prendre l'offensive? Eh ben voilà. Ah si, on peut le prendre. Sinon, pour faire un petit tour des decks de base, je sais pas si je vous avais déjà présenté. Donc là, c'est les Urgirl Soul Silver, les Or et Argent. Ils sont pas géniaux, c'est les decks de base qu'on a dans les défis du dresseur. On a aussi un noir et blanc. Et on a un X et Y, voilà, bleu basique, que j'aime beaucoup. Mais ça je l'ai acheté sur la boutique virtuelle. Pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs? Pourquoi je l'ai acheté? Ah oui, il me fallait Infect, j'avais pas d'Infect pour mon Tyranocif. Donc j'ai acheté le deck, voilà. C'est 600 pièces pour une carte, mais au moins j'étais sûr de l'avoir. Dans les boosters, on n'est pas sûr de l'avoir. On est même sûr de pas l'avoir d'ailleurs. Donc voilà, sinon bah ça c'est pareil, je l'avais acheté. Les deux là, Typhon Mystique et Rayon Glacial, je les ai achetés IRL. J'aimais bien. Celui-là, je crois qu'il était en promo.
Non, celui-là, le Typhon Mystique était en promo, donc du coup je l'ai acheté pour une misère. Je crois que la boîte était défoncée ou un truc comme ça. Et celui-là, j'ai acheté parce que je voulais le Givrali Plasma était vraiment joli. Et j'aime beaucoup en fait toute cette période. Les decks Plasma, je les trouve vraiment sympas à jouer. Les cartes Plasma sont sympas. Et la mécanique de jeu avec que tout soit lié sur la team Plasma me plaît. Les decks de team me plaisent, voilà. Donc on va se jouer Rouage de Feu. Alors ça, c'est une première, je ne l'ai jamais joué. Voilà, comme ça, c'est fait. Sinon, généralement en tournoi, je joue Orage Foudroyant. Voilà. La plupart des decks que je vois jouer, c'est soit un bleu avec Amphinobi Kaimorph, soit c'est l'Orage Foudroyant. Et c'est d'ailleurs une fois m'être fait bourriner par Orage Foudroyant que je me suis dit, il est peut-être temps que j'en achète un. Et en plus, j'avais besoin de mon Draco et d'une énergie dragon pour mon deck Duracell. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé, on va arrêter de parler. On va attaquer l'épisode. Il y a de grandes chances que je me fasse fumer votre deck contient des cartes interdites. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Ninja Amateur, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous foutent avec Ninja Amateur. Je suis vraiment dégoûté. On peut pas les utiliser ces cartes. Je les ai déjà piochées aussi dans des boosters lors de mon ouverture offensive vapeur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Je vais regarder vite fait pourquoi elle est interdite. Bon, voilà, j'ai envie de dire, ça m'énerve. Du coup, j'ai acheté un deck un peu pour rien. C'est pas grave parce que de toute façon, je voulais le Volcanion en holo, je l'ai eu. Voilà. Ça me fait des petites cartes. Vous voyez, j'avais pas mal de cartes que j'avais pas eu. Vu que j'ai quand même ouvert 25 boosters, j'ai quand même une bonne diversité de cartes. Et ben, du coup, c'est pas grave, on va jouer avec Orage Foudroyant. Orage Foudroyant au rayon cri glacial. On va le faire à pile ou face. On va le faire à pile ou face, voilà. J'ai une petite pièce, j'ai un jeton Marisson. On va dire face, orage et pile. Et ben c'est pile. Donc on va jouer avec rayon glacial. Il y a de grandes chances que je me fasse éliminer au premier tour, hein. Donc si c'est le cas, je referai tout de suite une partie avec l'autre orage foudroyant, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est si je me fais pilonner au premier tour, hein. Par contre, si je suis les prochains tours, ça va faire un épisode un peu long. Il y a de grandes chances que je le coupe. Voilà, comme ça vous serez prévenus. Bon, j'ai déjà de la chance à la pièce. C'est déjà ça. Donc on va toujours me prendre de non, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sachant que je me souviens que j'ai joué beaucoup ce jeu à l'époque. Et c'est ce sort bouboule qui est pas mal. Eh ouais, ce sort bouboule est super. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va jouer? Le ratata, le ratatak en évolution est pas génial, même le plasma. Là, on a quoi? Un exagel. Ça va peut-être me permettre, ça va me permettre d'aller chercher mon sort bouboule, je crois que c'est ça. Non, mon... je sais plus c'est quoi le tout premier stade d'évolution. Sort bébé, je crois. Sort bébé? Ouais. Il y a des Pokémon qui sont tellement laids que voilà, ça veut pas rentrer. Vraiment. Pourtant, j'en bouffe du Pokémon. Hein. Depuis tout petit, je bouffe que ça. Mais il y a des Pokémon, ils veulent pas. Il y a des Pokémon, je les cache dans un coin de ma tête tellement ils sont horribles. Donc, déjà, on part avec un avantage. Un avantage certain, c'est qu'on peut faire mal. Il faut juste qu'on lui bousille ses Fennec avant qu'il nous sorte son Gooplin. Même si je crois que le Gooplin du deck de base doit pas être extra badass. Ça doit pas être celui avec le talent et la bombe incendiaire. Je sais pas. Allez, j'espère que t'auras pas de chat. Pile. Voilà. Voilà. Alors, un Pachirisu, ok. Je ne vais pas le mettre tout de suite en banc. On va tout de suite aller chercher une énergie. C'est pas perdu. Allez. On va prendre une eau. Je pense que c'est pas trop mal. Et bon, on va aller chercher notre sort bébé. Voilà. Je me suis dit, on va peut-être essayer de lui taper des dégâts dès le début. Ça vaut pas le coup. Ah,
Avec un peu de chance, on va tenir le deuxième tour. On va pouvoir aller chercher le sort boule. Oh là là, en plus c'est con parce que c'est des noms cons quoi, c'est des glaces. Mais ça veut pas. Bon, déjà lui, il monte la couleur, hein. L'explosion de chaleur, elle va faire mal. Haut ou pas haut? D'où l'utilité de sortir le sort bouboule le plus vite possible. Est-ce qu'on a... Dites-moi que je peux avoir un sort boule. Ok. Parce qu'il faut savoir que le sort bouboule, il peut quand même torcher avec une seule énergie. Sauf si on fait un pile dès le début, avec une énergie. Mais... Je pense que ça va être la partie de la chance, j'espère. Il va entendre que je lui bousille son Pokémon, il va charger les siens, il va attendre le goût plein, je pense. C'est pas grave, nous pendant ce temps, on charge. Tranquillou, Mimilou, les Pachirisu, on les garde sous le coude. Là, on commence à l'attaquer. On va... Ah merde, je pensais que c'était une proposition. Qu'on avait le choix de défausser ou pas. C'est un peu nul ce que j'ai fait. C'est vraiment très nul d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on le met lui. On va le charger. Et on va attendre, il y a forcément un moment. On va faire ça quand même. Mais il y a forcément un moment où il va bouger. Le gros dilemme dans ce deck, c'est est-ce que je prends ce Givrali ou la Quali? Est-ce que le talent, on va utiliser le talent. Comme ça, je vais pouvoir switcher directement en fait. Switcher mon sort Bouboule direct. Et faire du dégât tout de suite. En plus, il a 130, il tiendra le 80, ça devrait être jouable. On va jouer la sécurité, hein, de toute façon. Parce que je suis pas très chanceux, hein, je serais du genre à pouvoir me taper deux piles. Et ce serait con de perdre un tour. Qu'est-ce qu'il attend? Ah, il a peut-être pas de troisième énergie. Il a peut-être pas de troisième énergie, le pépère. Oh la vache, il avait tous les fennecs en main là. Allez, un petit pile. Ouh. Il y a un Macogneur Minou en face là, niveau chance. Est-ce qu'il y a un forgeron dans ce deck? Alors c'est peut-être que 20 dégâts mais ça me fait chier quand même. Je crois pas que j'ai énormément de soins là-dedans. Je vais garder les énergies haut pour mes Pokémon haut là. On va voir déjà ce que ça donne ça. Voilà. Voilà. C'est ce que je... c'est ce que je craignais. Ça pue vraiment du cul. Mais vraiment. Rendez compte, 3 piles, c'est quand même pas de chance, hein. C'est un peu le risque, voilà, de ces attaques, elles peuvent être hyper fortes ou hyper à chier en fait. Là pour le coup j'ai fait un bide. Un gros bibide. Et lui mine de rien il commence à reprendre du poil de la bête là. Je lui ai bouffé qu'un Pokémon, c'est rien. Tout peut se jouer encore. Donc là je fais le kiki avec mon sort Bouboule, mais s'il me le fight. J'ai pas grand chose derrière moi. Alors que lui derrière il a quand même un petit banc qui commence à se faire. Bon là tu vas pas me dire gros que ça va pas passer.
Allez, c'est bon. Je sais pas s'il y a du soin là-dedans. Un petit centre Pokémon, ce serait pas du luxe. Théoriquement, il devrait pas avoir de bandeau. J'espère qu'il a pas de bandeau. Ok, il a toujours l'air d'être à sec d'énergie pour l'instant. Bon, là, s'il m'attaque avec 80, après il fout son petit goût plein. Ah, c'est ça que j'avais peur. Est-ce qu'il a des énergies feu là-dedans? Une, peut-être. Putain, j'espère que ça va pas être... Oh, j'espère que c'est pas une énergie feu. Oh la vache. Là, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. Bon, de toute façon, si, allez, quand même, il me faut de la chance. Là, il me faut de la chance. Ouh là là, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. Allez, boum, 600. Je me demande si c'est pas un de mes records en dégâts, là. Pourtant, je joue beaucoup, hein, de... Vous savez, les balles psycho, là, je sais plus si c'est ça l'attaque de Mewtwo. Ou les hydroqueux, ou les trucs comme ça, je joue pas mal, les balles incendiaires. C'est vraiment mon kiff, moi, ces genres de cartes. Mais bon, rien n'est joué, on attend. On attend. Si là, il va sortir son goût plein, ça peut changer. Je pense que là, je vais arrêter de charger sur Bouboule, hein, ça sert à rien. J'ai suffisamment de, on va dire, de... Là, si je fais un 5 piles, franchement, je sais pas ce que je fais, mais ça serait vraiment abusé. Donc, je vais commencer à charger le reste de mon banc. Au calme. Je check mes œufs sur Pokémon Go. J'ai encore pas mal de... J'ai encore pas mal de kilomètres à faire. Cool, on a le colis. Bon, ça sert à rien, Goliastruction, bizarre comme truc, puisqu'il n'y a pas de Pokémon EX. On va tout simplement charger tranquillou le Givrali. Et là, on va rebourriner, même si j'aurais pu jouer la sûreté. Oh la vache. Ah, quand même. Vous vous rendez compte quand même, hein. C'était moins une. Dans ces cas-là, faut que je joue la sécurité. À jouer les 80. Vu qu'il y a une faiblesse, à jouer les 80 direct. Regardez, là, il va falloir que... Ah non, il a le petit plumeau. Je vais juste vous montrer la carte, hein. Pour ceux qui connaissent pas trop le jeu. Le gris-gris, ça protège de 20 dégâts. Donc il faut que je fasse 100. Donc il faut que je fasse 2 faces. Si je reste en vie. Et il a balle incendiaire. Et balle incendiaire, ça fait mal. Ça fait très mal, très mal, très bobo les fesses. Et s'il a encore un forgeron dans l'histoire, c'est fini. Quand je vous disais qu'il reprenait du poil de la bête, c'était pas des conneries. Alors concrètement, on a besoin de temps là. On a besoin de temps. Il va nous faire 110 quoi qu'il arrive. J'ai rien pour encaisser 110. Donc du coup on va gagner un petit peu de temps. Il me faut des énergies là, hein. Ah putain, c'est nul ça. C'est nul, nul, nul. On va quand même faire ça. Qu'est-ce qu'on peut choper? J'aime beaucoup le liseré bleu des cartes placement en fait.
Eh ouais. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui peut me sortir de là? Allez, attaque, toi t'as pas trop de choses à trop de soucis à te faire. Je vois ces cartes feu, je me dis que je suis un peu dégoûté quand même pour mon deck roue de feu là, roue je sais pas quoi. Avec Volcanion. Eh bah allez, on va y aller en mode sacrifice, on va attendre, 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 attendre et attendre. Oh putain, c'est quand même dingue ça, elles sont passées où mes énergies? J'ai pas tout dans ma défausse là. Ça m'énerve. Ça c'est vraiment la haine, hein. Ne pas tomber sur des énergies, en plus j'ai... Y a aucun jeu en fait, y a aucun mouvement avec mes cartes dresseurs, puisque c'est un deck tout pourri. Donc je peux, j'ai même pas de lettres ou de boîtes, vous voyez, de courrier histoire de piocher des cartes énergie. Je suis livré à moi-même. C'est quand même dingue que tu prennes autant de temps, gros. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais pour les tournois, les combats sont vraiment très courts, hein. C'est de l'ordre de 15 minutes, je crois. La manche. Putain, je suis con moi, je vais le placer sur Givrali. Oh bah non, en fait. En fait, on va faire ça. Hein. On va piocher les énergies tranquillou. Vous avez vu quand même le choix qu'il a de cartes. J'aime beaucoup les decks feu avec terre brûlée quoi, c'est vraiment vraiment facile. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis foutu. Nul, nul, nul. Bon écoutez, voilà, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. J'ai presque envie d'abandonner tellement c'est perdu. De toute façon, on est d'accord, hein, je peux rien faire. Vraiment rien faire. Là, il va m'attaquer, il va prendre sa récompense. Peu importe qui je mets, il va m'attaquer, il va prendre sa récompense. Donc écoutez, hein, je vais la jouer à la lâche. Je trouve qu'on a passé assez de temps sur cette partie. On va abandonner. Ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à tout le monde. Pouch. Voilà, et bah c'était pas encore beaucoup glorieux. C'était pas même glorieux du tout. J'aurais été ici, j'aurais gagné quelque chose. Là, je vais me taper un pauvre coffre tout pourri. Mais bon, c'est pas grave. Et histoire de finir quand même sur un truc sympa, on va aller s'ouvrir des boosters. Pour oublier un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir ?
On va ouvrir un coffre peu commun. Castorno, hors de ma vue. Hors de ma vue, Castorno. Dégage. Ok. On va s'ouvrir déjà un point furieux. Et on se fera les deux générations. Tiens, c'est marrant qu'il y ait déjà y ait encore des cartes que je n'ai pas. Mon Libégon, hein. N'importe quoi, c'est honteux. On attaque les générations. J'en ai pas ouvert beaucoup de générations. Si j'avais pu faire une ouverture, une autre ouverture qu'offensive, vapeur, j'aurais voulu faire ouverture génération. Le problème, c'est que, bon, avoir des codes, c'est pas évident. Pas évident du tout, même. Alors, on a Pyroli EX, ça fait toujours plaisir, parce que je le joue, ce Pyroli. Et Kikli, ça fait pas plaisir, ça pue. Voilà. Ça pue. D'ailleurs, ce matin, un 9-10 qui éclot dans Pokémon Go, un Kikli. Et Kikli, ça pue. Et pour finir, cet épisode. Allez, on y croit, une bonne. Scarabrut. C'est dingue le nombre de Scarabrut que j'ai eu aussi. Enfin bref, c'est pas trop grave. On a quand même fait une bonne petite partie qui était rigolote. Alors j'ai perdu, oui, de toute façon en tournoi je perds toujours, en partie je perds toujours. Mais voilà, moi je m'amuse bien, c'est l'essentiel. Donc, par contre, pour le prochain épisode, je sais pas, est-ce que je retenterai un tournoi? Sûrement, il me reste pas mal de tickets. Je vais sûrement retenter un tournoi. Donc on va faire ça. Si ça vous tente pas, hein, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez voir autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Vous oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce. Si c'est pas encore fait, vous vous abonnez pour voir la suite. Et on se dit donc à un prochain épisode sur le TCGO. C'était Macognorminou. Bye bye.